Salutations tout le monde. Bonjour, bonsoir. Peut-être que je suis en retard, si vous voulez dire comme ça. Et je suis un téléspectateur qui a envoyé un message à moi. Puis je vais de côté. Côté M. Philippe, débutant ça en attendant nos paroles. Bon, M. Philippe là, et nous avons un petit empêchement. Empêchement, ça veut dire que nous avons fait un peu. Ça va être difficile de commencer à faire un bagage ou quitter là pour arrêter un soli. On peut habituer à faire ça, mais il faut faire ça des petits retards. Mais un retard qui mérite la peine. Bonsoir et Périclès. Et nous dérapé là, on a dit que le grand point qui s'est dominé l'actualité, c'est surtout la guerre la Russie avec l'Ukraine. Non? Et monsieur ukrainien a pris engagement pour reprendre contrôle de tout le territoire qu'il a perdu. Et là aussi, les mêmes tout, et qui ont les jeunes âmes dans l'Iran avec la Chine. Et bien, les mêmes ils disent que les prennent engagement pour continuer et pilonner l'Ukraine. Et alors, et puis c'est l'autre point d'actualité, c'est surtout ce qui va passer ici aux États-Unis. Avec l'ancien président Donald Trump, qui était dans le tribunal dans l'État de Floride, côté l'IT pour le répondre avec accusation, qui alors était arrêté, techniquement il était arrêté parce qu'il était rentré tête li, et il a fait empreinte li, mais il n'a pas fait photo et non plus tout, il n'a pas mis l'hôtel. Donc ça c'est m'a dit et ben partisan ancien président t'es présenté devant tribunal là depuis bonheur pour être capable supporter ancien président tout comme monde tout qui compte tout est campé là tout et mais pas de tellement affrontement excepté les présidents absouti qui était tribunal là et bien gon monsieur qui était un prisonnier sous lui et qui a demandé tout pour mettre le président en prison, et bien M. Gell était fait un bagage qui s'est fait. Mais nous, agents, force de l'ordre, ont arrêté monsieur, ils ont lagué monsieur à terre, ils ont minoté monsieur et ils ont lavé. Donc, nous n'avons rien encore, ça qui passe avec monsieur. Est-ce qu'ils ont libéré l'après ou qui s'est encore capté? Parce que c'était difficile pour les gens d'information. Mais en tout cas, ancien président Donald Trump est présenté devant le tribunal fédéral là. Et procureur là, M. Smith, qui était censé mener l'enquête là, était chita tout dans le tribunal là tout, eh bien, il était libre à la présidence, c'est ça, il est arrivé maintenant, il est libre à la présidence, ancien président, chef d'accusation, il était demandé qui s'en plaidait, s'il plaidait coupable ou non coupable, et avocat, il était accompagné, il dit que nous plaidait non coupable pour tous 37 chefs d'accusation. C'est comme un système américain qui fonctionnait. Mais tout, il n'a pas demandé à ce président pour te faire aucun, déposer aucun sûreté, c'est-à-dire aucun agent dépôt pour te quitter l'aller, et il n'a pas de bali, aucune restriction de voyage, excepté, il dit que, bon, l'autre monsieur qui accusé avec tout, qui sont anciens assistants, lui, eh bien, il dit, il doit communiquer avec monsieur ça, et non plus, tout le monde doit parler avec le monde, qui est capable de le considérer comme membre jury, le bras de mon procès. On le bras de mon procès. Donc, ancien procureur général là, qui a mené le dossier, il a dit que il a fait des marches pour un processus d'accélération pour déboucher son procès. Mais il dit en même temps qu'il a gardé plusieurs mois avant que capable de faire le procès et contre le président Trump pour prouver. Ça a eu dans main yo et que l'ancien président dit qu'il n'est pas coupable. En tout cas, non, après, le président a pris un avion, là, sérieux. Le président a pris un avion, il est monté dans Bedminster, côté de on était un golf. Et bien, monsieur là, côté monsieur, il y a un autre groupe fanatique qui t'a obtenu. Et monsieur a prononcé son discours devant, il dit que c'est la première fois, il a dit ça à côté que il a arrêté un président qui s'est pigo concurrent. Et le président qui est en fonction gain, et puis il fait arrêter avec de fausses informations et aussi de fausses accusations. Donc il dit, Mounio, ok, lui-même, il paraît. En tout cas, dans une déclaration que le président fait,
Il dit le 5 novembre 2024, m'a cité exactement ça, il dit. Il dit le 5 novembre 2024, l'est la président, elle connaît que la pomporte élection. Eh bien, elle pral nommé un procureur général qui lui-même pral de tout le monde, y compris ancien président. Alors, président Joe Biden et acolyte, tout l'autre monde, pour lui pral de pour y al faire au pays, ça ou faire là. Parce que le peuple là, c'est pas nous-mêmes, yo, et c'est nous-mêmes que vous voulez. Il a œuvré pour sécurité, mais il trouvait que moi-même, en mi-temps. Donc, et ça fait que ma prends Fabla. Mais il dit, je prends courage, je vini et je prends le prends. Il n'a pas dit revanche, non, mais il quand même, il prend le. Et il dit, et puis, je tendais le monter, tendais que c'est lui qui remporte l'élection. Mais tout le monde jeté, parce qu'il prend chercher tout le monde qui est dépafini avec les États-Unis, démantibuler le système électoral américain, question frontière. Et puis, à tout l'autre bagaille que ont fait, donc il dit lui-même, il et non, on s'arrête un procureur général réel qui pour faire travailler ça. Donc, monsieur, en tout cas, n'a pas attendu. N'a quitté les États-Unis, donc n'a pas attendu pour nous, mais en tout cas, l'administration américaine, lui-même, bon, il parle dans des cas, son président Joe Biden fait, sous dossier, s'il a dit, il n'a pas joué aucun rôle. Dans la décision ministère de la justice prend sous dossier et ancien adversaire là et dans l'élection 2020 et probablement prochain adversaire tout dans l'élection 2024 il pas aucun rôle dans baron ça pas rien pour le à ça passer là alors que président Joe Biden et ancien président et Donald Trump a longé de celui comme monde qui était responsable en tout cas pas de provision qui empêchait que ancien président continue campagne électorale et pas de provision comme ça. Mais tout si la justice, comme par un procès éventuellement, et bien si la justice est venue coupable, et bien ancien président est capable d'aller dans la prison. Mais la question est qui l'est. Est-ce que c'est l'aile après élection ou avant élection? Personne ne connaît. Mais en procureur général, là, il dit que l'État fait un jugement expéditif et pressé. Peut-être avant, mais il y a des gens qui disent, experts ont dit que c'est très probable que le jugement soit fait après les élections 2024. Nous avons quitté aller en Jamaïque, côté de la délégation haïtienne qui passait 3 jours, une délégation leader politique, et leader politique, religieux, société civile qui était réunie en Jamaïque avec objectif pour essayer une solution à la crise politique pays d'Haïti à traverser. En tout cas, après 3 jours de discussion, chaque parti a quitté sa dernière joie sans que vous ne signiez un document, sans que vous ne signiez un document et que je nous entende. Parce que la question est divisée sur tout ce qui a fait. Le gouvernement a 2 têtes, ou mieux, le gouvernement monocéphale. Il y a une proposition qui est venue. Une proposition qui est venue pour être élargie. Élargi et CTH, alors, et commission, commission 3 membres qui est Madame Nessie Maniga, et commission de transition, commission de transition, hein, et bien, il était semblé que j'avais élargi avec un 5 membres de préférence, 2-3 membres. Mais tout, il y a les acteurs qui ont peut-être toile de fond, côté discussion, qui ont été serrés entre les protagonistes. C'est peut-être qu'ils ont demandé pour que la commission de transition ait servi comme une sorte de pouvoir, un pouvoir pour balancer le pouvoir exécutif. Là. Mais ils ont dit que cette commission de transition a servi tout, une commission présidentielle de préférence, et avec un premier ministre. Mais là encore, et il y a un groupe qui s'en s'est dit que il faut que la commission présidentielle là, il faut que le premier ministre Ariel Henry pas d'adresse dans cause à dit tout. Ça qui fait que l'autre supporter est à 21 décembre voyé pied parce qu'il dit bah ça on y a parlé à ce débat qui était discuté depuis 208 ans d'élit, il pas un résultat pour ça qui est dessous. Et quand ce noir par exemple Yunan et délégué ont parlé dans les médias, mais il était dit lui-même, et il était bien Montana crédit, qui te font déclaration qui était super dans le monde, parce qu'il dit que Montana a déclaré que n'est pas venu là pour venir imposer à quoi Montana. Non plus tout pas venir tout pour demander démission et pour ministre Ariel Henry.
même si on pas d'accord avec le premier Sahel Henry. Donc c'est une déclaration qui est surprenante en pile monde. Les considérer Montana par rapport à la position, par rapport à pouvoir, etc. etc. Donc, bon, finalement, après toute discussion, le gouvernement de tête là, il y a des gens qui demandent qu'il faut que ce n'est pas pour avoir un nouveau premier ministre, pour avoir un nouveau gouvernement. Il a dit que le premier Sahel Henry, tout lui-même, non, pointé d'accord. Ça n'a pas cité un ancien député qui était fait partie de la délégation en tout, et qui lui-même, dans la déclaration de la voix de l'Amérique, il a dit que le premier ministre de l'Assemblée était flexible pour élargir le gouvernement, pour accepter plus de monde, et que pour travailler ensemble avec acteurs, pour faire arriver nos formations au conseil électoral là, et puis les élections. Mais les questions d'élection encore, ils viennent sous tapis et ils passent avec tout le monde d'accord avec les questions d'élection, parce qu'ils disent oui, élection nous d'accord, mais il faut que les conditions réunies, il faut que vous faites deux ans là, pas régler rien, conditions de sécurité pas réunies, donc pas rien. Alors, il y a un troisième groupe qui semblait lui-même, qui est venu avec conditions Ariel, en rien, tout bagaille après le premier ministre Ariel Henry, pas là-dedans. Pas dans rien, même. Bon, c'est là encore qui est divisé. Donc, on va visiter les plateformes, nous avons des déclarations différentes et quelques membres de la délégation ont fait cette question. Mais il y a des gens qui sont déçus, des gens qui sont gênés, des gens qui sont honte pour ça que passé à l'effet que vous venez là. Mais les Jamaïcains ont un premier Jamaïcain ont un petit prudent. Eh bien, il dit, bon, ok, nous entendons, nous, chaque monde est retourné, il faut pour résolution, mais pour proposition de gagner, il faut l'an prochain. Et il dit que, ok, nous-mêmes, nous pourrons aller en Haïti et nous pourrons continuer le travail sous ça qui passe. Nous pourrons le travail et très certainement avec possibilité pour nous donner nos solutions. Donc, mes gens n'ont pas fait aucun commentaire qui peut affecter personne. En parlant de Jamaïque, eh bien, inconnu attaqué et une entreprise, une compagnie qui a une machine, c'est son auto. Eh bien, les compagnies ont boulé, ils ont pillé, puis ils ont boulé, ils ont mis du feu en dans compagnie. Et ils trouvaient qu'en dans compagnie, qui est logé, local consulat Jamaïque là. Donc, le ministre des Affaires étrangères Jamaïque là, eh bien, il a fait sous note pour le gouvernement déplorer ça tout, participer à tout type de ça, c'est bien gêner, parce que c'est dans un moment de négociation, et puis voilà que ça vient de passer qu'on y a là. Donc, je pense que je ne voulais pas lier avec la présence là, mais je dis que c'est arrivé dans un mauvais moment. Donc, mais en tout cas, pour qu'on y a Jamaïque, et de fermer le consulat jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, le gouvernement lui-même tout, lui présenter et regret et responsable. Pour ça qui passait, et peut-être pour mettre que vous pouvez faire enquête, etc. Parce que d'après ça, il y a une responsable compagnie qui a vendu une machine côté de la rivière, il dit que DCPJ et branche scientifique de CPJ a été venu hier, pour être venu prendre empreinte, venu foncer le bas, etc. Donc, il a demandé mon nom. Mais pas de pour une estimation sur la quantité de dégâts que Dieu fait ça fait. Ça prend dans la même zone côté conseil des sénateurs qui passait dans le jour qui passait au cas deux anciens sénateurs et anciens sénateurs haïtiens qui ont même tout et gain qui dit que ces deux justices ils ont sauvé et étaient face à la mort et était un journaliste et journaliste Vision 2000 et un journaliste Vision 2000 lui même tout que monsieur était débarqué la Kaili. Et bien, c'est Marie-Lucie Bonhomme. Et bien, il a débarqué la Kaili, et il prend l'île, il a la Veli, et il a mené le chef, et gangnan, qui t'a interrogé, et là, il a fini de poser la question, il a quitté l'allée. Donc, ça veut dire que le journaliste a choc en pile là, pour ça qui passe là. C'est des bails que, en pile, monde, même délégué, tout le temps avec la tout, il a dit que c'est incident ça, il n'est pas bon pour l'image du pays d'Haïti. Donc, alors, nous, je n'ai pas dit que les délégués retournent en Haïti sans qu'il n'y ait une solution ou sans qu'il n'y ait pas une entente. Et le point qui divise arrêté toujours le point central là, c'est le gouvernement. Le premier ministre est d'accord pour le fonds de plâtrage dans le gouvernement. Et eux-mêmes, ils disent le gouvernement est neuf. Mais il y a un groupe qui dit que le premier ministre n'est pas là-dedans. Il y a un groupe qui est d'accord pour le premier ministre arrêté tout. Et même maintenant, on a un pouvoir de contrôle, un pouvoir qui peut contrôler, et c'est ça va aller, et HTC, et on
transition, gouvernement de transition, donc qui a gagné et commission de transition, de CTC. Dis-moi, rappelez-moi, si nous changeons bien. En tout cas, il y a même là, c'est eux qui te dit, là dans le déjà gagné, il te dit, tu as communiqué esprit avec trois membres là, mais tu as augmenté, peut-être tu as limité, il y a cinq membres, mais tu as servi comme une sorte d'équilibre. Pour un ministre qui tape qui dépend ministre, mais ça, monsieur le premier ministre, pas d'accord, parce qu'il dit que déjà, il y a un monde qui est là, déjà, et monsieur le premier ministre, non seulement le premier ministre, mais le président. Et bon, on a dit en passant, ça n'a pas longtemps, le gouvernement a publié un décret, et son décret est antiterroriste, et blanchiment d'argent, côté que un pays qui a poursuivi au monde. Alors, on a une petite idée de ça là-dedans, il y a un pire article là-dedans. On peut poursuivre au monde pour blanchiment d'argent, ou bien blanchiment des avoirs, et bien capable de demander au gouvernement pour extraire au Bali. Et le gouvernement lui-même, il y a une habilité ou bien capacité pour geler tout bien que ça a possédé. C'est à son petit banque qui a mis, il y a un pire, on croit qu'il y a plus passé 100 articles là-dedans, et qui mettait à côté tout l'autre article antiterroriste qui déprend. Et dans les années 2000, dans les années 2000, et jusqu'à pratiquement jusqu'à dernier qui dépend là. Donc voilà, c'est comme la situation est présentée aujourd'hui. Là. Et Valérie Saint-Louis sur place, bon, il semble que Valérie Saint-Louis l'a tourné. Et après, il fait un bon travail comme ça. On est bien content. Il a tourné. Et bon, bon ici, là, on travaille nous-mêmes là. On a préparé un reportage pour vous, pour nous dire au moins, on a bon résumé au moins de ce qui est passé. Et avec une surprise pour Junior. Une surprise n'a pas été pour vous. Et quant à pour moi-même, je vais vous parler nous, surtout de l'ancien président Donald Trump qui continue à défier le système de justice américain. D'ailleurs, le département de justice américain, le département injustice. Lui-même, il était quoi, l'innocent de tout ça accusé. Il était quoi que si vous faites loin injustice. Et que ça a accusé lui, c'est pas vrai. Et lui-même dit que, est-ce que vraiment pas un droit pour te gagner des documents dans la main, alors que je dis documents qui dans la main, c'est des documents secrets, que le pas de droit et qu'un BO passe ces documents gouvernement qui était bas chasse pour te mettre des documents, il pas te mettre lui, jusqu'à ce que des FBI allaient. Mais c'était vraiment ça, bah, un petit exemple. Un petit exemple de démocratie. Qui montrait même là au cap fort, même là que le président des États-Unis, c'est même si c'est la première fois ça fait que l'ancien président des États-Unis trouvé en contravention avec la loi, devant la loi et accusé, eh bien, et malgré tout ça qui a gagné hier devant le tribunal fédéral là dans Miami, et la police a pris des dispositions, eh bien, tu as un petit peu laissé frapper verbal, mais pas de vraiment. Côté monde t'a voyé wash sur l'autre côté monde t'avait pas de gain mais tous les deux supporters ou bien adversaires et président tout était là et tout était venu pour être fait pour te soutien ou bien pour être encouragé pour arrêter ancien président mais il y a l'autre qui te dit pour pas arrêter ancien président parce que il y a l'autre ancien président qui fait bail qui passe à tout et il va pas jamais persécuter tout pour ça c'est président ça qui a persécuté. Voilà, c'est m'inviter nous rester branché sur la voie de l'Amérique pour nous suivre toute sa cap d'actualité et avec un dégui et madame Saint-Louis. Madame Saint-Louis voyage chez moi. Déjà Saint-Louis pas de madame Saint-Louis pas même. Il voyage chez moi quand même. Il compte côté pour le passer pour le faire à les oreilles moi pour demander ça m'a fait depuis temps là, si tu as peut-être moi là, bon revenir. En tout cas, voilà. Bon ici à nous on allergie qu'à battre nous quand même. Mais nous là quand même n'a battre et puis voilà. On va que c'est ça me cap dire aujourd'hui. N'a pas cassé rendez-vous pour plus tard dans journée. Quand nous parlons pas encore sur et la grande cap de mine actualité a été branché et puis voilà et dans cas là nous gain Fred avec nous là Fred nous connait l'en dit Fred et il pas nous jaser aujourd'hui il dans cas là et puis bon pratiquement gentil pas là Valérie sur route donc demain n'a pas chance pour Valérie et gentil on l'autre côté lui-même mais n'a pas tant de gentil quand même. Bonsoir tout le monde. Passez bon après-midi. On va parler demain. Bye bye.